Inondations nettes décrues dans le sud-ouest et en Bourgogne, mais à nouveau des inquiétudes en Seine-et-Marne. Suite de notre revue des événements marquants de l'année, ce soir, l'Eschvaleza. Voilà 3 semaines que nous n'avons pas de nouvelles de lui. 4 jours de prison à Prague, le philosophe français Jacques Derrida, arrivé ce matin à Paris, témoigne. Et puis dernière de nos cartes blanches, ce soir, le journaliste Jean-Claude Guibaud donne la parole à un autre philosophe, Michel Serres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 22 janvier 82, 19 degrés sur la côte basque. Il a fait un peu partout très beau en France, très doux surtout. Les stations balnéaires ont connu une affluence digne de la saison estivale. On a même vu des baigneurs. Malheureusement, non loin de là, du côté de Langon, on continue toujours à se tremper les pieds dans l'eau. La décrue de la Garonne et ses affluents ne s'est pas achevée, loin de là. Même chose à Mâcon et dans sa région, et puis en Alsace. Et à nouveau une inquiétude pour les responsables anti-calamité, cette fois la Seine-et-Marne. C'est maintenant la Marne qui fait les siennes. Daniel Catelin. Le grand morin, qui, c'est bien naturel, avait quitté son lit dans la nuit de la Saint-Sylvestre, est redevenu plus sage, mais c'est au tour de la Marne de déborder. Les quartiers riverains des communes des vallées du Grand Morin en aval de Coulommiers et de la Marne dans la région de Lagny sont touchés. Au barrage de Meaux, l'eau atteint 5,60 m et à Esby, la côte d'alerte est dépassée de 30 cm. Une centaine de pavillons sont isolés et la hauteur de l'eau approche 1 m dans certaines rues. Les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises, mais il n'y a eu qu'une seule évacuation. Blasés par des crues qui reviennent chaque année, les habitants se sont contentés de monter leurs meubles au premier étage des maisons et utilisent des barques ou des passerelles pour faire leurs courses. Un délégué de la mission interministérielle d'aide aux victimes des inondations s'est rendu aujourd'hui sur place pour effectuer une première estimation des éventuelles indemnisations. La situation devrait rester stationnaire cette nuit dans la région où seules de faibles bruines sont prévues. La Pologne maintenant. Il y a 3 semaines, à quelques heures près, le général Jaruzelski décrétait l'état de guerre. Aujourd'hui, le quotidien officiel Tribunal Oudou dit très clairement qu'un retour à la situation d'avant le 13 décembre est impossible. Le même journal fait savoir que pour lui, il y a au moins 200 000 parasites sociaux en Pologne aujourd'hui, pour la plupart en excellente santé. Tous n'ont pas franchi la frontière entre l'oisiveté et la délinquance, dit le journal, mais il n'y a qu'un pas. Les Polonais continuent à ne nous adresser que des images soigneusement filtrées, mais même au-delà de leur banalité, vous le verrez, elles reflètent une grande tristesse de la population. La liste des condamnations s'allonge. Aucun chiffre depuis le 12 décembre. À cette date, le ministère de l'Intérieur parlait de 1200 condamnations depuis l'entrée en vigueur de la loi martiale. Solidarité, de son côté, a lancé un appel à l'armée et à la police, leur demandant de ne pas se laisser entraîner dans une guerre contre le peuple. Et puis surtout, Solidarité vient de faire connaître ce bilan de 11 morts et de quelques 79 blessés pour l'évacuation de la mine de Vujek. C'était le 16 décembre dernier. Vous le voyez, on est toujours très très loin des chiffres officiels. Et puis, on est toujours sans nouvelles de son leader, l'Eschvaleza. Des rumeurs les plus diverses et les moins contrôlées circulent à son sujet. Et pour nous, incontestablement, quand il nous a fallu choisir l'homme de l'année, c'est le petit électricien de Gdansk qui méritait une fois de plus de recevoir les feux de l'actualité. Mais comme nous sommes sans nouvelles de lui, Philippe Gassot a choisi de faire son portrait sans le montrer. On pourrait vous montrer l'état de siège en Pologne, la profonde tristesse des Polonais qui ont connu le frisson que donne un début de liberté, mais qui pourrait vous montrer l'homme de l'année. Dans les églises, dernier bastion de liberté, seuls endroits où les réunions sont encore possibles et où la prière, faite au coude à coude, brise la solitude de ceux qui s'habituent à marcher ensemble, mais parmi eux, ne cherchez pas l'homme de l'année. Il a les yeux rougis comme eux, l'espoir meurtri comme eux, et le courage énorme d'en avoir encore, pour n'avoir pas cédé à la pression des militaires. On ne voit pas Valéza marcher dans cette neige, mais on ne l'a pas non plus entendu parler, ni se faire l'écho des hommes casqués. Le fils du menuisier et de la paysanne, qui attendait un vrai printemps pour la naissance en mars de son 7e enfant, est enfermé dans l'hiver, dans le froid d'une politique glaciale, où il n'y a pas de place, comme on dit à l'agence TASS, pour les petits rois de solidarité. Sous prétexte d'endiguer le chaos et l'anarchie, on a enfermé l'homme de l'année. Malheur à celui par qui l'espoir est arrivé dans les faubourgs de Gdansk. Il a dû laisser la place aux canons et aux uniformes, ce qui nous empêche de vous montrer l'homme de l'année. Ils sont 10 millions derrière lui, des ateliers d'Ursus aux mines de Silésie, à avoir dans leurs yeux vu briller la même flamme et entendu claquer les mêmes coups de fusil.
Des Polonais ont tiré sur d'autres Polonais au nom de la normalisation qui se cache derrière un mur de silence comme si elle avait honte, comme si elle voulait devant le monde ne présenter qu'un produit fini. C'est pour cela qu'il n'est pas là, l'homme de l'année. Lui aussi est au secret. On l'empêche de dire, mais quoi, qu'est-ce qui fait si peur? Pas sa petite taille ni sa moustache? Ce sont les mots qu'on ne veut pas entendre, car ils résonnent dans l'âme des Polonais qui lui ressemblent, à cet homme de l'année. Soldats, miliciens, chars, fusils, couvre-feu, propagande, mort d'homme, emprisonnement, jugement, arrestation et perquisition, tout cela pour qu'on ne puisse pas vous présenter celui qui incarne la Pologne, le pèlerin de Rome, le touriste de Paris, l'ouvrier électricien qui a été élu l'homme de l'année. Lechwalesa a donc l'homme de l'année pour Antenne 2. Pour le quotidien britannique Financial Times, c'est François Mitterrand, un titre assorti de ce portrait, je vous le cite, « courtois au point d'être suave, correct jusqu'à la pédanterie, détestant les superlatifs, souvent ironiques, rarement jovial et jamais grossier. » François Mitterrand est dans sa conversation victime, j'ajoute, de digressions et de fioritures rococo. C'est donc le Financial Times qu'il dit. Vous avez peut-être en mémoire également le portrait sympathique que la Pravda a tracé du président français il y a quelques semaines. Eh bien, le numéro de ce matin change un petit peu le ton, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un article tout en ironie. Il y a 2 millions de chômeurs en France, mais tout ira très bien l'an prochain. Beaucoup de clochards souffrent du froid et de la neige, mais tout va très bien, etc. etc. Tout cela dans le style « tout va très bien, madame le marquise ». Et puis, cette critique majeure, on parle beaucoup trop de la Pologne à la télévision. Tout cela nous rappelle un petit peu la carte blanche que nous donnions hier soir au journaliste soviétique Alexandre Ignatov. Eh bien, tant pis, la Pologne, parlons-en encore un petit peu avec vous, Alfred Grosser, pour commenter cette phrase de François Mitterrand au soir du réveillon, « Tout faire pour essayer de sortir de Yalta ». Alors Yalta, on a besoin de se rafraîchir la mémoire. Yalta, était-ce vraiment, comme on l'a dit, le partage du monde? Absolument pas. Il y a un pays qui a bénéficié de Yalta, c'est la France. C'est à Yalta qu'on a décidé, en l'absence de la France, à la demande de Churchill, que la France aurait égalité avec les trois autres pour l'occupation de l'Allemagne, pour dominer l'Allemagne. C'est à Yalta qu'on a confirmé que la Pologne perdait pour l'Union soviétique, donnant à l'Union soviétique, mais c'était déjà fait, tout ce qu'Hitler avait concédé à l'Union soviétique en 1939. Et de même que les pays baltes avaient disparu, un tiers de la Pologne, plus d'un tiers, devient soviétique. Et la Pologne aura une compensation, on chassera les Allemands de territoires que même le sévère traité de Versailles avait reconnu allemand. Mais rien n'a été partagé à Yalta. Au contraire, l'Union soviétique s'est engagée à ce que les élections libres aient lieu et il n'y a aucune domination américaine qui soit née de Yalta. Élections libres qu'on n'a donc pas vues depuis 35 ans maintenant en Pologne. Mais on peut se demander pourquoi en France le mythe de Yalta revient sans cesse, y compris dans les discours présidentiels, beaucoup plus encore chez le général de Gaulle que chez François Mitterrand, parce que cela permet de placer les deux grands sur le même plan. Il y a un qui est un peu moins méchant que l'autre, c'est les Américains. Et on oublie qu'en 1947-48, c'est nous, les Français, les Anglais, les Belges, qui avons demandé aux Américains, surtout après le coup de Prague de février 48, de bien vouloir signer une alliance avec nous, le pacte atlantique, parce que nous avions peur d'une Union soviétique qui avançait partout où elle pouvait avancer. Et il n'y a qu'en Yougoslavie, en 48, que l'appui indirect américain a permis aux Yougoslaves de ne pas être envahis par l'Union soviétique. Sinon, elle a avancé partout, mais après Yalta, et pas du tout à cause de Yalta. Et tout faire pour essayer de sortir de Yalta, ça vous paraît jouable? Essayer d'abandonner les zones d'influence? J'avoue ne pas très bien comprendre ce que ça veut dire, puisqu'à Yalta, il n'y a pas eu de partage en zone d'influence. Et lorsque le général de Gaulle, en 1968, lorsque la Tchécoslovaquie est envahie, dit « tout cela est de la faute à Yalta », c'est en fait, encore une fois, dire « les Français ne sont pas responsables du fait que depuis 1953, depuis les révoltes de Berlin-Est, jamais nous n'avons rien fait pour ceux qui, à l'Est, sont sous un régime dictatorial. Nous ne voulons pas admettre qu'il y a une différence fondamentale entre les régimes de l'Est et l'Union soviétique qui les écrase et les États-Unis avec lesquels il peut y avoir des difficultés, mais c'est quand même pas la même chose. Merci Alfred Grosser. Et puisque nous parlons du chef de l'État, sachez que selon le sondage du Point qui paraîtra demain, une majorité de Français juge toujours positif le bilan de François Mitterrand. 48 contre 45 le mois dernier. Les opinions négatives passent de 35 à 37.
La majorité gagne 3 points dans l'opinion, mais l'opposition plus encore, elle prend 6 points. Ce sont bien sûr les sans-avis qui diminuent. Cela donne donc 51 pour la majorité, 33 pour l'opposition et 18 sans opinion. Encore un dernier mot sur la Pologne, pour vous dire que les déclarations du ministre communiste Anicet Le Pors, hier dans ce journal, déclarations sensiblement différentes de celles de Georges Marchais sur la Pologne, et traitées avec beaucoup de discrétion d'ailleurs par l'Humanité de ce matin, et bien que ces déclarations ne font pas l'objet de commentaires de la part de la direction du Parti communiste. De Pologne, nous franchissons les Tatras pour nous retrouver en Tchécoslovaquie, avec la libération du philosophe français Jacques Derrida, que les autorités tchèques avaient arrêté pour trafic de drogue. Machination, répond le philosophe, qui venait apporter son soutien aux contestataires de la charte des 77, Jacques Derrida, que Sylvie Marion a rejoint cette nuit en Allemagne dans le train qu'il reconduisait à Paris. À ce moment-là, a commencé la fouille. Il avait un chien dressé pour, j'ignorais cette spécialisation du dressage de chiens, spécialisé pour flairer et reconnaître la drogue. Naturellement, pendant un certain temps, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Parce que j'avais imaginé toutes sortes de scénarios possibles, interpellation, expulsion du territoire, ça s'est produit d'ailleurs avec des collègues anglais qui ont été expulsés. Mais jamais je n'avais pensé, évidemment, à une machination de ce type-là, du type drogue. Pourtant, je, littérairement ou journalistiquement, je la connaissais. Je connaissais ce scénario qui a été utilisé assez fréquemment dans divers pays, d'ailleurs, hein, à l'Est et à l'Ouest. Donc, le chien flaire, le douanier qui m'avait demandé d'ouvrir la valise ne trouve rien. Il commence à s'affairer, à s'agiter, chien, reniflant une deuxième fois, toujours rien. Il fouille et moi je pense à ce moment-là qu'il cherchait des manuscrits. À ce moment-là, il me demande de tirer sous la poignée, et je tire, et je découvre 4 petits sacs bruns que d'abord je n'ai pas tout de suite identifié moi-même. Vous pensez pouvoir retourner en Tchécoslovaquie? La réponse est dictée par cette machination. C'est qu'il faut ne pas se laisser intimider, qu'il faut y aller le plus possible, en marquant le plus fermement possible, dans la légalité. Parce qu'il ne faut pas non plus jouer avec ceux qui prennent les véritables risques et qui sont les Tchèques sur place. Pas. Dans la légalité, marquer avec le plus de fermeté, de clarté possible et de vigilance aussi, qu'ils entendent témoigner dans ce sens. Déclaration courageuse quand on sait que Jacques Derrida est toujours officiellement inculpé en Tchécoslovaquie et qu'il le souhaite d'ailleurs pour mieux prouver son innocence. Il veut que l'enquête aille jusqu'au bout et qu'on lui en communique les résultats. Alors à quoi servent les philosophes quand ils n'interpellent pas le monde comme ça, quand ils ne dérangent pas, ne provoquent pas? C'est une question que vous vous êtes sans doute souvent posée, et c'est la question que s'est posée notre confrère Jean-Claude Guillibeault quand nous lui avons confié la dernière de nos cartes blanches de la semaine. Il s'est dit, profitons de ces 5 minutes d'antenne pour parler des questions essentielles sur le sens des choses, du monde et de la vie. Et pour ce faire, il a interrogé le philosophe Michel Serres. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe, à votre avis? C'est une personne qui établit certaines idées et puis qui, disons, permet aux autres de réfléchir sur cette idée. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un philosophe, à quoi il sert, mais ça doit sûrement être important s'ils sont là. Qu'est-ce que c'est un philosophe dans la société? Un témoin. C'est un malin. C'est un malin? Oui. Un philosophe. On dit, c'est un philosophe qui dit que c'est un malin. Je vois ce que ça veut dire, mais je ne saurais pas vous expliquer. Est-ce que ça sert à quelque chose, la philosophie? Ouais, ça peut être intéressant. Oui? Oui, moi j'aime beaucoup.
c'est souvent quelqu'un de difficile à comprendre. En métro, à cette heure-ci, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? J'ai envie de sortir des trucs anarchistes. Voilà, vous allez dans le métro et vous demandez aux gens, comme ça, brusquement, à quoi servent les philosophes. Ça paraît une démarche étrange, inutile. Comme nous paraît maintenant étrange et inutile le souci de s'arrêter dans sa vie pour s'interroger sur le sens des choses. Et pourtant, vous savez que je crois que quand on vient de regarder un journal télévisé, comme tous les soirs, quand on vient de voir le monde devenir fou et brûlé, c'est à ce moment-là qu'on a envie de se tourner vers les philosophes et de leur dire « Mais alors vraiment, à quoi vous servez ?» Lorsque je me mets au travail le matin, lorsque je m'assois à mon travail, lorsque je commence, j'ai toujours l'impression, quand je rentre dans mon bureau, l'impression que j'avais autrefois lorsque j'étais marin et que j'entrais sur la passerelle au moment où c'était mon heure de prendre le car. C'était le moment où on se mettait à veiller, où il y avait une sorte de remplacement. Je crois que j'ai jamais changé de métier. Mais là, prendre le car dans cette circonstance-là, c'est veiller sur quoi? Sur le sens. Sur le sens des choses. Je crois que la plupart des gens, la plupart du temps, les gens sont très occupés dans leur travail et dans leur... Et complètement coincés dans leur temps. Nous, nous prenons du temps pour réfléchir aux questions que les gens rejettent tout le temps dans le futur. Je penserai à cela plus tard. Je penserai aux questions importantes une autre fois. Et cette autre fois n'arrive jamais. Et pour nous, cette autre fois, c'est maintenant. Ce futur, c'est ce matin. Et je crois que c'est pour ça que je me lève le matin à l'aube. J'ai toujours l'impression que lorsque la nuit s'arrête et que le soleil se lève, le sens commence. Et d'une certaine manière, c'est ça qui m'aide le plus. Je crois que je ne pourrais pas travailler le soir ou la nuit, quand le soleil se couche. J'aurais l'impression que le sens disparaît. Je suis un homme du commencement. Est-ce qu'il arrive souvent à un philosophe, dans la solitude qui est sûrement parfois pesante et douloureuse, de douter de la signification de ce qu'il fait? Oui, on en doute 7 fois par jour. 7 fois par jour, c'est les bons jours. On doute toujours de la fonction qu'on a. Mais peut-être que notre fonction est-elle simplement de douter. Avant de vous mettre au travail, en prenant le café le matin, est-ce que vous écoutez les informations? Est-ce que vous écoutez les tumultes du monde? Je n'entends que le bruit de fond de la ville, et ce bruit de fond me suffit. Je crois que, puisque je travaille le matin, ce qui m'importe le plus, c'est de n'entendre pas de signaux. Il faut d'abord... J'ai parlé tout à l'heure de la naissance du soleil ou de l'aurore. Je crois qu'il faut écouter de façon très 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 petite et étroite la naissance du langage. Le langage sort du sommeil, comme il sort un petit peu du rêve. Et je crois que ça serait probablement effacer cette naissance que d'écouter un autre langage extérieur. Non, je préfère rester dans le silence. Quelle est l'utilité sociale d'un philosophe? À quoi vous servez pour les autres, pour le commun des gens? D'abord, pour servir à quelqu'un, nous essayons de ne servir personne. Notre but à nous, philosophes, ou mon but à moi, philosophe, c'est d'inventer un espace rare, où ni la guerre, ni la bataille, ni la concurrence, ni la compétition n'auraient lieu. C'est peut-être un peu utopique, mais je crois que c'est arrivé. La page blanche dont vous parliez tout à l'heure, cet espace blanc qu'on essaie de remplir, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que la personne qui lira ce que je remplis, ce que j'écris le matin, sera à un certain moment, ou pour le moment où il le lit, délivré de toute cette bataille, de cette concurrence et de cette compétition. Oui, un discours différent en milieu de journal télévisé, mais je crois qu'il nous aide à réfléchir. La mort de Paul Belmondo, sculpteur, membre de l'Institut, tous les artistes comme Yves Brière soulignent ce soir l'importance de son œuvre, sa cohérence et son humanisme
Paul Belmondo, 83 ans, était le père de Jean-Paul Belmondo. Et puis le retour dans leur famille depuis hier soir des deux ingénieurs français détenus au Kurdistan par le parti communiste irakien. En liaison avec nous de Lyon, Maurice Arlet qui nous raconte. Un site de barrage qui se trouvait à 150 km au sud de Kirkouk. Nous remontions la rivière lorsque notre voiture s'est immobilisée, enlisée. Autour de nous, nous avons aperçu des rebelles kurdes. Et nous les avons appelés pour dégager la voiture. C'est à ce moment-là que nous avons été emmenés par eux. Donc c'était des Kurdes, ce n'était pas des maquisards du Parti communiste, comme on l'a dit ? Au début, nous ne le savions pas. Nous l'avons su que plusieurs jours après. Et alors là, ils vous ont emmené ensuite dans les montagnes jusqu'à la frontière avec l'Iran ? C'est exact. Nous avons voyagé à peu près une huitaine de jours dans le pays irakien. À pied ? À pied, à cheval, en voiture. En tracteur, sous différentes formes en mule, sous différentes formes de moyens de transport. Et après, nous avons longé la frontière irako-iranienne du côté iranien et nous sommes arrivés dans le QG du Parti communiste irakien. Un QG qui était quoi? Un village? Une grotte? Là où vous avez été détenu? Non, c'était un camp de toile. Un camp de toile avec des tentes réparties en plusieurs points par paquet de 10 à peu près. Et nous avons été logés sous tente. Et là, vous avez été détenu pendant une centaine de jours alors? Voilà, nous avons exactement été détenus 100 jours par le Parti communiste irakien, y compris le transport du lieu de l'enlèvement jusqu'à la remise en liberté. Et est-ce qu'on vous disait pourquoi vous aviez été enlevé? Nous l'avons su en arrivant au camp quand nous avons rencontré un responsable du Parti communiste irakien qui nous a dit qu'il voulait simplement faire de la publicité pour son mouvement. Et vous saviez, vous, quel était le sort des communistes en Irak ? Précisément, non, parce que je suis allé qu'une fois en Irak précisément, que 2 mois, et j'ignorais le sort des communistes irakiens. Oui, bien, ce sort, selon Amnesty International, c'est 5000 communistes irakiens, donc dans les geôles de leur pays. Claude Cheysson au Caire, le ministre des Relations extérieures vient tout juste d'arriver. Il a été précédé dans la capitale égyptienne par le ministre de la Défense, Charles Hernu, qui a conclu un accord pour une première livraison de Mirage 2000 au Caire. Sur place, Pierre Serra. Monsieur Hernu, reçu ce matin par le président Moubarak, est venu pour parler de la paix en Méditerranée et surtout concrètement de contrats d'armement, notamment de l'achat par l'Égypte de 60 Mirage 2000, d'Alpha Jet et d'hélicoptères. Et à cet égard, même si rien n'est encore conclu, la visite du ministre de la Défense français aura permis de pousser les choses. Mais c'est évidemment la visite de Claude Cheysson qui retient le plus l'attention. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que d'une part, nous venons de le voir, les relations bilatérales vont très bien, mais surtout parce que la visite du ministre des Relations extérieures s'inscrit, elle, dans le cadre plus large et surtout plus compliqué de la crise du Proche-Orient. Les Égyptiens attendent une clarification de la politique française dans cette région. Pourquoi ? Parce que justement, Claude Cheysson, le mois dernier à Jérusalem, a fait des déclarations qui n'ont pas toujours été très bien comprises ici en Égypte. Les Égyptiens, il faut le comprendre, sont assurément très contents de voir la France soutenir enfin les accords Camp David, mais ils sont aussi désappointés par le fait que Claude Cheysson, à Jérusalem, ait carrément rejeté l'idée d'une initiative européenne. Une initiative qui, même s'il n'était pas fermement exprimée, pouvait au moins constituer un recours de principe. En tout cas, Hosni Moubarak, qui sera le mois prochain à Paris pour parler de tout cela avec François Mitterrand, recevra demain matin Claude Cheysson et tâchera de se faire expliquer ce que la France entend dire, entend faire comprendre quand elle dit qu'elle parle à chacun dans la région le même langage. Surtout que le problème en ce moment, c'est que justement, chacun dans cette région ne prend de ce langage unique et ne retient de ce langage unique que ce qui lui fait plaisir. Un mot encore sur le Proche-Orient pour vous montrer avec Philippe Rochaud ces images étonnantes du 18e anniversaire du FAT, fondé par Yasser Arafat. Cela se passe à Beyrouth et cela a tout l'air d'une parade militaire pour chef d'État. Voilà 18 ans en effet que cet homme portant le keffieh noir et blanc, le symbole du costume national palestinien, Yasser Arafat, a fondé le Fatah, autrement dit la conquête, la victoire. C'est aujourd'hui la plus puissante organisation politique palestinienne, financée par la plupart des pays arabes. C'est aussi en fondant le Fatah que Yasser Arafat, qui donne ici l'accolade à Abu Ayad, le numéro 2 des chefs palestiniens, a pu se hisser à la tête de l'OLP, reconnue aujourd'hui par la plupart des capitales occidentales, et classée à Moscou au rang d'ambassade.
Plus qu'une simple guérilla, le Fatah est aujourd'hui une armée avec ses lance-missiles, ses blindés et plus de 30 000 combattants. En juillet dernier, ils ont tenu tête aux forces israéliennes dans le sud Liban et se vantent chaque année de monter plus d'une centaine d'opérations de commando contre Israël, par terre ou par mer. Ils disposent en effet de l'embryon d'une marine qui se veut nationale et palestinienne et dont les canons pneumatiques ont réussi plus d'une fois à tromper la vigilance de l'armée israélienne. Sachez encore qu'en Iran, 9 cinémathères ont été rebaptisés au goût du jour. Alors que le Royal devienne la Révolution ne vous étonnera pas beaucoup, mais que le Brigitte Bardot, et le bébé exactement, devienne le message pour en décevoir certains. Et puis toujours dans le domaine de la nouvelle insolite, cette dépêche de Pise, le conseil municipal est inquiet, la tour penche moins qu'avant, l'inclinaison n'a évolué que de 0,7 mm cette année, d'habitude c'est deux fois plus. Avec Dominique Leglou maintenant, Paris-Dakar, on commence à s'approcher de la Méditerranée. Après la première épreuve spéciale de l'IVA hier, les concurrents du Paris-Dakar abordaient aujourd'hui la deuxième épreuve du même ordre sur le circuit du camp des Garrigues à Nîmes. A nouveau, beaucoup de monde sur le parcours. Décidément, le rallye fait recette. La période choisie, il faut dire, est propice à la création d'un événement. C'est certes un bonheur pour Thierry Sabine, l'organisateur, mais c'est aussi beaucoup d'ennuis et d'incidents qui ont d'ailleurs obligé à annuler les résultats de l'épreuve auto d'hier. Chez les motards, vainqueur aujourd'hui Daniel Chabanet. Il précède dans l'ordre les Honda de Neveu, de Robeck, Rigonier de Zoll et la BMW d'Hubert Auriol. Pour l'instant, les écarts, comme d'ailleurs pour les automobiles, ne sont pas significatifs. La bataille commencée est parfois assez rude, la table de deux chronométreurs en ayant même subi aujourd'hui les douloureuses conséquences. Sans doute les concurrents, inondés de soleil sur ce plateau rocailleux, se projetaient déjà sur les sables et les dunes du désert, enjeu de la véritable empoignade. Pour eux, la course a commencé et les 24 heures passées en mer sur un car ferry algérien seront l'occasion d'un premier bilan, d'une première pause mécanique. Les premiers tests sont passés, l'Europe s'éloigne, la course, la vraie, débute demain à Alger. Dominique Leglou qui a également téléphoné cet après-midi au bateau qui suit le planchiste Christian Marty qui traverse l'Atlantique. Tout va bien et il devrait être dans 8-10 jours à Cayenne. Avec tout d'abord peut-être oui les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Vincennes, le 17, vous le voyez, le 11, le 9, le 7, le 12, le 15 et le 3. Et puis notre ami Alain Gillot-Pétret qui va nous parler de la météo de demain. Et un terrain souple pour le tiercé de demain. Et puisque nous sommes demain l'épiphanie, eh bien sachez qu'il y aura une fève pluvieuse qui va traverser la galette France. Cette fève, la voici. Elle se situera en gros sur l'ouest du pays, mais ne sera pas très active. 3 à 4 mm de pluie, ça n'est pas beaucoup et ça ne devrait pas amplifier les inondations actuelles. Je l'espère en tout cas. En revanche, il y aura un renforcement des vents sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Cette zone de pluie, après, sera suivi d'un temps un peu plus variable. Sur un quart nord-est du pays, ici, c'est un temps beaucoup de nuages, quelques bruines, mais pas très méchantes. Sur un grand quart sud-est, incluant le Jura, les Alpes, le Massif central, un bout du centre, un bout de l'Aquitaine et tout le littoral de la Méditerranée, des brumes le matin, surtout dans les vallées, et l'après-midi, de belles éclaircies. Les températures seront donc toujours très agréables pour la saison. 10 degrés en moyenne au nord de la Loire, au sud de la Loire, de 11 à 16 degrés, 16 degrés pour la Corse. Pour terminer notre éphéméride assez copieux, pour demain dimanche 3 janvier, les heures du soleil, levé 8h46, couché 17h05, c'est le premier quartier de lune, pour ceux qui aiment cela. C'est également l'épiphanie, je vous le rappelle, et la fête de Sainte-Geneviève, qui est la patronne de Paris et la patronne de la maréchaussée française. Bon Alain, vous nous avez parlé beaucoup d'eau, et bien sans ironie pour ceux qui ont les pieds dedans en ce moment, cette petite statistique, les Français utilisent 140 litres d'eau par jour, alors un peu pour boire bien sûr, mais surtout pour se laver, cuisiner et lessiver. En fin de soirée, Jacques Malineau pour le tout dernier journal d'Antenne 2. Et puis demain à 12h45, Bernard Langlois. Je vous rappelle les titres du journal de ce soir. Inondation après la Saône et la Garonne, c'est la Marne maintenant qui inquiète en Seine-et-Marne. Pologne, pour solidarité, l'évacuation de la mine de Vujak il y a 15 jours s'est soldée par la mort de 11 personnes, dont 4 miliciens. Jamais Radio Varsovie n'avait fait état de la mort de ces 4 miliciens. Et puis retour en France pour les deux ingénieurs enlevés en Irak par le Parti communiste irakien et pour le philosophe français Jacques Derrida, arrêté pendant 4 jours à Prague. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous.